Le Festival international de la culture et des arts de Daokro, FICAD, se tiendra cette année du 1er au 9 avril 2023. Le président Henri Konan Bédié, haute autorité morale du FICAD, a reçu à cet effet son parrain du festival des mains du commissaire général, l'honorable Akoto Olivier, le samedi 18 avril 2023. Je suis venu saluer et présenter mes civilités au président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié est la haute autorité morale du Festival international de la culture et des arts d'Aoko, le FICAD, événement culturel de référence qui a aujourd'hui 18 ans. Et donc nous célébrons les 18 ans de ce festival du 1er au 9 avril prochain. Après avoir donné sa bénédiction depuis 2 mois, il était important que je vienne faire un peu le point des préparatifs au président Bédié et bénéficier toujours de ses sages conseils. Et donc le président m'a bien reçu. Et le président est un homme des arts. Rappelons-nous que le président Henri Konan Bédié est l'initiateur de la création du palais de la culture à Abidjan, à Trècheville. Le président Henri Konan Bédié a impulsé le Massa en Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié est un grand mécène de la culture ivoirienne. Nous rappelons Ernesto Yeguié, de Baïs Pinto et j'en passe. Et donc le président Henri Konan Bédié est très friand des œuvres artistiques. Et c'est en cela qu'il apporte son soutien à ce festival qui mobilise toute la Côte d'Ivoire rassemblée autour du brassage des peuples et des cultures. Et donc cette 18e édition qui aura lieu du 1er au 9 avril prochain va bénéficier de l'onction de ce grand mécène de la culture qui est le président Henri Konan Bédié. La thématique de cette 18e édition du FICAD, c'est la culture, le civisme et le développement local. Le civisme, parce que nous avons voulu utiliser le canal de la culture pour faire la promotion du civisme routier. Nous savons aujourd'hui que les routes aujourd'hui endeuillent nos familles à cause du comportement souvent pas assez responsable de certains motocyclistes, mais des conducteurs, et c'est souvent difficile. Et donc nous voulons utiliser ce canal-là pour faire la promotion du civisme routier. C'est en cela que de manière exceptionnelle, au cours de ce FICAD-là, tout en sensibilisant le festival sur le code de la route, sur le comportement responsable pour utiliser l'engin, nous allons procéder à une vaste opération de distribution de 200 casques de moto. C'est assez original. Nous allons sensibiliser et nous donnons l'exemple en donnant des casques aux motocyclistes pour leur dire que vous avez ces casques-là, mais désormais, il ne faudrait plus que vous soyez à moto sans casque. C'est un exemple que nous donnons et ça va semer encore une certaine émulation par rapport à cette pratique de bonne conduite sur nos routes. En plus, nous avons comme pays invité pour cette 18e édition le Sénégal. Donc une forte communauté sénégalaise sera d'accord avec nous ici, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, contribuer au brassage des peuples et des cultures. Et naturellement, comme région invitée, l'an passé c'était les Ouest, cette année c'est le grand peuple Agni, le Morono, le Sanoui, le Guablin, l'Indénien, qui sont attendus à Daokro pour le FICAD dans le cadre de l'alliance interethnique. Et c'est une manière pour nous de renforcer davantage nos liens avec nos voisins immédiats qui sont les Agni. Et naturellement, tout ce qui est foire commerciale, gastronomique, avec des dents traditionnelles, et des grands concerts géants vont meubler ce FICAD. Entre autres artistes attendus, Kérosène, Roselyne Layo, Maggie Cécile, Achille Saoué, et j'en passe. C'est des grands noms de showbiz en Côte d'Ivoire qui sont attendus pour cette 18e édition. Le FICAD d'Aoko est un événement culturel de référence inscrit au calendrier culturel du ministère de la Culture en Côte d'Ivoire et du Tourisme en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est sous la présidence de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie et du ministère aussi du Tourisme. Donc, le volet institutionnel est de mise et cela avec la collaboration de tous les élus et cadres de l'IFU. Et c'est le seul espace d'échange où, pour une fois, on met de côté la politique. Tous les enfants de Daokro, tous les enfants de l'IFU, sans distinction d'ethnie, de religion, de parti politique, sont invités pour venir magnifier, chanter, danser, se libérer au rythme du brassage des peuples et des cultures pendant cette 18e édition du FICAD qui aura lieu du 1er au 9 avril prochain.
Vivez le FICAD, 18e édition. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Du 1er au 9 avril 2023. Thème, culture, civisme et développement local. Au menu, danse traditionnelle, foire commerciale et gastronomique. Miss FICAD, des concerts live et bien d'autres. Le FICAD, c'est la cohésion sociale vécue avec plus de 100 000 visiteurs et des opportunités d'affaires. Contact 07 07 93 39 87. Tous au Pakinou obligé à Daoukro.